Une première mi-temps assez équilibrée, qui est plutôt satisfaisante de notre côté. Chaque équipe a une belle occasion de but. Nous, on ne la met pas au fond. Le coup franc de Saïf passe de très près à côté. Et puis eux, sur leur seule véritable occasion, ils marquent. Ils sont très réalistes. À la mi-temps, on a un peu d'espoir quand même, parce qu'on a le sentiment de rivaliser ce jour avec cette belle équipe. Mais malheureusement, on prend le deuxième but beaucoup trop tôt. Et là, il a néanti un petit peu nos chances, nos espoirs. Et surtout, il donne énormément de confiance à cette équipe lyonnaise qui possède un potentiel offensif exceptionnel et qui, d'un coup, déroule dans les espaces libres sur la transition, récupération de balles, attaque rapide contre une équipe comme la nôtre qui se déséquilibre pour revenir. Et on s'offre un petit peu à la qualité, au potentiel offensif lyonnais. Donc après, on finit avec une défaite sévère, forcément, qui fait un peu mal sur l'instant. Mais on sait très bien qu'on n'est pas de la même trempe à tous les niveaux qu'une telle équipe. Et j'espère que ce match nous servira de leçon pour les fois où on affrontera encore des gros calibres de ce championnat. Il est évident qu'il faut vite stopper, revenir à un résultat positif dès notre prochain match de championnat. Mais je vous dis, pour revenir sur la question, nous ne lâchons rien. Voilà, ni ce soir, ni le prochain match, ni dans les semaines à venir, nous ne lâcherons jamais rien. Parfois, nous ne serons pas bons, ça peut arriver, mais dans la combativité, dans la solidarité, on restera irréprochable.